Amen, 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 amen. Je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. Si tu es dans la joie avec moi, continue d'acclamer. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Nous saluons l'Éternel Dieu de gloire, lui qui a permis que nous soyons là, que nous puissions arriver en cette fin d'année, bien-aimés. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis ce soir que tu arrives à cette fin d'année. Bien-aimés, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. S'il a permis, bien-aimé, que tu sois vivant ce soir, s'il a permis que tu sois debout ce soir et que tu puisses voir ces jours, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. C'est parce que Dieu a encore des choses à faire avec toi. C'est parce que Dieu a encore un avenir avec toi. C'est parce que Dieu a encore des choses à accomplir avec toi. Voilà pourquoi il a préféré que tu puisses voir ces jours. Oui, bien-aimés, soyez bénis ce soir. Nous sommes bénis, célébrés avec vous dans vos maisons. Mais avant que nous puissions continuer à célébrer l'Éternel, à fêter cette grande journée de fête, bien-aimés, nous avons un message. Nous avons un message qui va nous aider à sortir de ces temps et à franchir la limite de cette nouvelle année. Il nous reste quelques minutes, bien-aimés, pour traverser la mer Rouge et accéder à notre Cana. Mais bien-aimés, le plus important, comment nous sortons de cette année? Voilà pourquoi, bien-aimés, le message que je t'apporte ce soir, il faut sortir pour entrer. Bien-aimés, tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction si tu ne sors pas de ton passé. Tu ne peux pas sortir de ton passé si tu vas rentrer dans ton avenir, bien-aimé. Tu dois sortir de quelque part. Oui, bien-aimé, 2020 nous a défiés. Bien-aimé, c'était une année qui était horrible. Beaucoup d'entre nous ont perdu des êtres chers. Beaucoup d'entre nous ont perdu des frères, ont perdu des mères, ont perdu des pères. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ont perdu leur travail, ont perdu la joie de vivre. Il y en a même qui ont perdu leur mariage. Mais bien-aimés, laissez-moi te dire une chose, j'ai un message pour toi qui as perdu quelque chose. Bien-aimés, cette année, lorsque j'ouvre ma Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18, la Bible nous dit ceci, ne pense plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. 19, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Le bête des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, de fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élie. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Bien-aimés, le plus important, si ce soir, ton Dieu te demande de ne plus penser aux événements passés, de ne plus considérer ce qui est ancien. Pourquoi Dieu nous envoie ces messages en ce jour? Bien-aimé, c'est parce que le plus important, ce n'est pas de sortir sainement. Le plus important, bien-aimé, tu sors avec quoi? Bien-aimé, c'est à quoi le message avec lequel tu sors de 2020 est très important et c'est cela même qui va définir l'année 2021. Bien-aimés, Israël a passé plus de 400 ans dans la souffrance en Égypte. Il a pleuré devant Dieu pendant cette souffrance.
Israël ne voyait plus son avenir. Israël ne voyait que du noir devant lui à cause de ce qu'il avait subi, à cause de l'esclavagisme qu'il avait subi, à cause de la situation dans laquelle il avait évolué. Bien-aimé, cette situation avait fini par affecter le mental du peuple, avait fini par affecter, assombrir leur vision d'avenir, avait fini par affecter tout ce qu'ils avaient comme espoir par rapport à leur avenir. Mais bien aimé, dans leur cri, lorsque Dieu est venu visiter Israël pour libérer Israël dans la souffrance, il a dit à Moïse, « Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Laissez-moi te dire ce soir, bien-aimé, tout ce que tu as crié, tout ce que tu as dit à Dieu durant cette année, le Dieu, bien-aimé, qui t'écoute, ce n'est pas un Dieu sourd. Bien-aimé, au ciel, il y a un Dieu qui écoute les prières. Au ciel, il y a un Dieu qui exauce la prière. Au ciel, il y a un Dieu qui répond aux prières. Bien-aimé, tes prières ne sont pas stériles. Il y a quelqu'un au ciel qui a entendu tes cris. Il y a quelqu'un au ciel durant l'année 2020 qui a vite pleuré, qui a vite larmes. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, avant de sortir de cette année 2020 que nous allons traverser dans quelques instants, bien-aimé, Dieu m'envoie devant toi pour te dire une chose. Ne pensez plus aux événements passés. Voici toutes choses, bien-aimé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il faut que tu sortes de quelque part pour que Dieu te fasse entrer. Aussi longtemps que tu n'es pas sorti de quelque part, il te sera très difficile pour que Dieu te fasse entrer dans ta nouvelle destinée. Israël, bien-aimé, était sorti de l'Égypte, mais il y a un grand problème qui avait fait que Israël puisse passer plus de temps, bien-aimé, dans le désert. C'est parce que Israël est physiquement été sorti de l'Égypte, mais l'Égypte était restée en eux. La mentalité de l'Égypte était en eux. Voilà pourquoi par la suite du temps, tout ce que Dieu leur communiquait par rapport à leur futur, bien-aimés, ils avaient du mal à se connecter à Dieu. Ils avaient du mal, bien-aimés, à comprendre la pensée de Dieu, à avancer avec Dieu. Ce soir, Dieu t'a dit le plus important, c'est avec quel message? Quelle est ton attitude? Quel est ton état psychologique actuellement? Bien-aimés, je t'en supplie, n'entrez pas dans cette nouvelle année comme la femme de Lot. La femme de Lot, bien-aimée, elle était sortie d'une ville qui a été condamnée, d'une ville, bien-aimée, où le péché avait abondé. Mais bien-aimée, laissez-moi te dire une chose. Tu es peut-être ce soir comme la femme de Lot dans une ville qui est condamnée. Mais laissez-moi te dire, chaque jour, le mal abondait. Mais laissez-moi te dire une chose. Là où le mal abonde, la grâce surabonde. Ce soir, bien-aimée, la grâce est encore disponible pour toi. La grâce est encore disponible pour ta maison. La grâce est encore disponible pour ton avenir. La grâce est disponible. Tu regardes ton âge, tu te poses des questions. Si tu auras encore un enfant, si le mariage viendra. Bien-aimé, ça c'est Pharaon qui est en train de t'assombrir ton avenir. Mais laissez-moi te dire une chose. Bien que tu as connu l'humiliation, la honte durant toute cette année, ton Dieu t'a dit ce soir, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi Dieu t'a interdit de ne plus penser à ce qui est ancien? Parce qu'à force de demeurer dans le passé, bien-aimé, tu es en train d'assombrir ton futur. À force de ne pas sortir de ton passé, tu ne pourras pas entrer dans ton présent. Tu ne pourras pas entrer dans ton futur. Tu dois sortir. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, « Abraham, je vais te bénir. » Abraham avait des promesses, mais Abraham devait sortir de la maison de son père, devait sortir de sa patrie, devait sortir de sa nation. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire, tu dois sortir de la tristesse qui t'avait caractérisé depuis l'année 2020. Tu dois sortir de la honte. Tu dois sortir de la peur de la mort. Tu dois sortir, bien-aimé, de toutes ces pensées négatives. Tu dois sortir de tout ce qui a assombri ton espoir. Tu dois sortir de tout ce que tu as connu, tu as vécu. N'entrez pas, ne traversez pas cette année avec ce bagage. Ne traversez pas cette année avec la tristesse. Ne traversez pas cette année avec l'humiliation et la honte. Jusqu'à quand continueras-tu à porter le bagage de l'humiliation, le bagage de la honte? Mais ce soir, Dieu te dit, tu dois laisser tes bagages, bien-aimé, car il y a un Dieu qui va te faire passer de l'autre côté. Israël a eu du mal
entrer dans sa destinée parce que l'Égypte était encore dans leur tête. Même devant le fils d'Anak, lorsque Dieu leur avait donné Cana, ils se voyaient comme des sauterelles. Bien-aimé, ton passé peut réduire ta vision de l'avenir. Le passé peut réduire ton espoir par rapport à l'avenir. Ton passé, bien-aimé, peut t'empêcher de connaître, d'expérimenter le plan de Dieu pour toi. Voilà pourquoi ce soir, ton Dieu te dit, il faut sortir pour entrer. Il faut sortir de ton passé pour entrer. Bien-aimé, les années peuvent se passé. Tu peux rentrer dans 2020, mais mentalement, spirituellement, et rester encore dans 2020. Continue encore à rester dans le désespoir, dans la honte, dans l'humiliation de tout ce que tu avais connu. Mais laissez-moi te dire une chose. Ton Dieu te dit, ne pensez plus aux événements passés. Dieu a dit à Abraham, sortez de la maison de ton père. Sortez de la mentalité de la maison de ton père. Sortez, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes le fruit de notre environnement. Notre environnement nous façonne. Notre environnement bloque notre mental pour comprendre la notion de Dieu. Voilà pourquoi, pour qu'Abraham puisse expérimenter de nouvelles choses, Abraham devait sortir des anciennes choses. Abraham devait sortir de l'ancienne mentalité de la maison de son père pour entrer dans sa destinée. Bien-aimé, la seule chose qui t'empêchera d'entrer dans la destinée, dans le plan de Dieu pour 2021, bien-aimé, ça ne sera pas les sorciers, ça ne sera pas les diables, mais le seul fait que tu resteras en 2020. Tu peux traverser 2021, mais continuer à fonctionner encore avec l'esprit et la mentalité de 2021. Israël, personne ne l'avait bloqué. Israël se bloquait seul à cause de la mentalité qu'il avait de 2021, de 2020. Voilà pourquoi, bien-aimé, la première des choses qui peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée, on peut le trouver dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 26. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier obstacle qui t'empêchera d'entrer dans ta destinée, c'est de regarder en arrière. La femme de Lot, quand bien Dieu l'avait sauvée d'une ville qui a été condamnée, mais la femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorre, mais son cœur, ses pensées étaient encore restées dans Sodome et Gomorre. Bien-aimé, en quelques minutes nous allons sortir de cette année. Ne sois pas comme la femme de Lot, ne restez pas encore, bien-aimé, dans 2020. Bien-aimé, combien même ton regard est derrière vers cette année qui vient de se passer, bien-aimé, tu auras du mal à progresser même lorsque Dieu te sort de la misère, lorsque Dieu te sort de la condamnation, lorsque Dieu te sort, bien-aimé, des obstacles, lorsque Dieu te sort de ton humiliation de 2020. Ce qui t'empêchera d'entrer dans ta destinée en 2021, c'est lorsque tu tournes derrière et que tu continues à regarder cette ville qui a été vouée à l'interdit. Mais maintenant, ce soir, ton Dieu te dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ton Dieu te dit de ne plus considérer ce qui est passé. Ce qui est passé est passé. Regardez devant toi, bien-aimé. Il y a un avenir devant toi. La première des choses, bien-aimé, c'est de regarder en arrière. Cela t'empêchera de continuer à progresser. Ne regardez plus en arrière comme la femme de Lot. Bien-aimé, tu resteras là. Tu n'avanceras plus. La deuxième des choses qui peut t'empêcher de ne pas entrer dans ta destinée, tu trouveras dans le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 22 à 23. Bien-aimé, la Bible nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ni même la compassion de l'Éternel n'est pas à leur terme. Bien-aimé, envisager l'avenir qui est au travers des événements douloureux. Bien-aimé, ne regarde plus ton avenir au travers de ton passé, parce que la bonté de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Bien-aimé, il y en a d'autres qui regardent derrière, ou qui, voilà, en regardant derrière, ils ne peuvent plus voir l'avenir. Il y en a d'autres, bien-aimé, qui ont pris les lunettes du passé qu'ils ont porté. Ils regardent le futur avec les lunettes du passé. Tu ne verras que ce qui est derrière toi. Tu ne verras pas la grâce qui est devant toi. Voilà pourquoi Israël s'est bloqué net en Égypte devant les fils d'Anak. Ils avaient un Dieu qui leur avait déjà donné cette terre, mais ils avaient du mal à voir l'avenir devant eux, parce
parce qu'il se sentait petit. La petitesse est arrivée où? La petitesse, c'est l'Égypte qui était en eux, qui a créé cette petitesse. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, je vais t'amener vers de grandes choses. Tu dois voir les choses comme moi. Tu dois voir les choses grandes comme moi. Voilà pourquoi Israël, malgré la promesse, Israël est resté petit devant le fils d'Anak. Bien-aimé dans le Seigneur, ne considérez plus les choses anciennes. Ôtez les lunettes du passé. Regardez l'avenir avec les lunettes prophétiques. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Arrêtez d'envisager le passé avec les lunettes du passé. Bien-aimé, la dernière des choses que nous allons exploiter ce soir, je l'ai trouvé dans le livre des Galates, chapitre 12, versets 1 à 4. Bien-aimé, de redouter l'inconnu. Redouter l'inconnu et avoir peur du changement. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Ce qui peut te bloquer d'entrer dans ta destinée, parce que Dieu a un plan pour 2021. Ce qui va t'empêcher d'accéder à ta bénédiction, de toucher à ta bénédiction, c'est lorsque, bien-aimé, tu redoutes l'inconnu, tu as peur de l'inconnu. Bien-aimé, lorsque Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, de ta nation. Bien-aimé, Dieu voulait aller le bénir. Abraham n'avait pas douté. Bien même, il avait grandi dans la maison de son père. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, bien-aimé, où on reste dans la maison de son père. Dans la vie, il y a un temps où on quitte la maison de son père. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être prêt à sauter dans le vide avec Dieu. Tu dois être prêt, bien-aimé, à mettre un pas devant lorsque Dieu te demande d'aller. Bien-aimé, Dieu, c'est une nouvelle de nous. C'est un Dieu du présent, c'est un Dieu du futur. Ce n'est pas un Dieu du passé. Bien-aimé, dans la mentalité de Dieu, voilà pourquoi Dieu n'existe pas dans le passé. Dieu regarde vers l'avenir. Voilà, lorsque nous tombons dans le péché, nous nous repentons devant Dieu. Ha! Dieu pardonne le péché et il oublie les péchés. Il oublie tes péchés du passé. Pourquoi? Parce que pour Dieu, ton passé n'a plus d'importance. Ton passé n'a plus d'impact sur ton avenir. Voilà pourquoi lorsque tu te répands, il pardonne ton péché, il ferme la page du passé et Dieu cesse d'exister au passé et il existe au présent. Laissez-moi te dire une chose. Celui qui existe au passé, c'est le diable. Le diable existe au passé parce qu'il n'a rien à t'offrir pour ton futur. Voilà pourquoi il check ton passé. Il tourne la page de ton passé. Il te rappelle les erreurs du passé. Il te rappelle les choses du passé parce qu'il n'a rien à t'offrir dans le futur. Celui qui a quelque chose à t'offrir dans le futur, il ferme la page de ton passé. Bien-aimé, ce soir, que cette année ferme la page de ton passé. Que Dieu ouvre une nouvelle page et il commence à écrire une nouvelle histoire avec toi. Tu as perdu quelqu'un, tu as perdu ton frère, tu as perdu ta mère, tu as perdu ce qui était cher pour toi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne sortez pas avec cette mentalité de perte. Ne sortez pas avec cette mentalité de tristesse. Bien-aimé, ne sortez pas avec cette mentalité-là. Bien-aimé, regardez les choses. Regardez les choses, bien-aimé, d'une façon nouvelle. Marchez avec un esprit nouveau en cette nouvelle année. Voilà pourquoi, bien-aimé, le message que Dieu t'apporte en ce jour, ne pensez plus aux événements. Passez, ne considérez plus ce qui est ancien. Bien-aimé, car Dieu a tourné une page. Et Dieu est en train à quelque chose de nouveau à t'ouvrir en cette année nouvelle. Il y a seulement deux choses qui fera ta gloire, qui fera ta puissance dans cette nouvelle année. Et ces deux choses, je les trouvais dans la prière de notre Père. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, laisse que l'année 2021 soit une année du règne et de la volonté de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu cherches le règne de Dieu dans ta vie, lorsque tu lui laisses la place au règne de Dieu dans tous les domaines de ta vie, tu es déjà un homme de victoire. Bien-aimé, là où Dieu règne, le règne de Dieu, c'est l'absence des échecs. Le règne de Dieu est l'absence de la maladie. Le règne de Dieu est l'absence de la confusion dans ta vie. Le règne de Dieu, c'est l'absence, bien-aimé, de la honte. N'oubliez pas, nous sommes dans un monde de domination. Si tu ne domines pas, on te domine. Si tu ne domines pas, ton problème te domine. Mais bien-aimé, pour que tu ne sois pas dominé par le problème, tu ne sois pas dominé par les situations compliquées, mais bien-aimé,
les fêtes de l'année 2021, une année du règne de Dieu, où Dieu régnera dans ma vie, où Dieu régnera sur tous les domaines de ma vie, d'existence. Le matin, le règne de Dieu, à midi, le règne de Dieu, le soir, le règne de Dieu. Que l'année 2021 soit l'année du règne de Dieu, que Dieu soit celui qui règne, qui soit établi tout au long de 2021 comme celui qui règne. Le deuxième secret qui fera de toi un homme, une femme de victoire. Après le règne de Dieu, cherchez la volonté de Dieu. Dis que 2021 soit une année de la volonté de Dieu, où je fonctionnerai dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, le succès, la paix, la joie dans la vie commence lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois. Bien-aimé, tu peux être bien. Tu peux être bien là où tu es. Tu peux te sentir à l'aise et confortable. Mais si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, bien-aimé, cela se transformera en Sodome et Gomorre. Sois là où Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi faire de 2021 une année de la volonté de Dieu, c'est chercher la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Chercher la volonté de Dieu dans ton mariage. Chercher la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, il y a trois volontés que nous vivons sur cette terre des hommes. La volonté de Dieu, la volonté de l'homme et la volonté du diable. Mais bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu aujourd'hui, il t'a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. Aujourd'hui, Dieu te demande de choisir la volonté de Dieu sur tout ce que tu fais. Bien-aimé, fais de la volonté de Dieu ta tunique que tu portes lorsque tu vas sortir. Partout où tu es, cherche la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu fera en sorte que tu sois en avance. Marcher dans la volonté de Dieu, là où tu avais connu le retard l'année passée. Mais lorsque tu demeures dans la volonté de Dieu, bien-aimé, tu seras en avance. Celui qui marche dans la volonté de Dieu, bien-aimé, dans les seigneurs, il est comme un serviteur de Dieu. Le roi Achab était sur une char, il était en vitesse. Mais l'homme de Dieu, bien-aimé, dans les seigneurs, il a suivi et il est arrivé avant même le roi Achab, parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu de vitesse. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laisse que l'année 2021 soit une année de vitesse, où Dieu t'accordera une vitesse dans tout ce que tu fais, où Dieu arrêtera le retard dans ta vie, où Dieu amènera la vitesse dans ta vie. Tu marcheras dans la vitesse. Bien-aimé, nous n'avons pas besoin de char comme Achab, même à pied, même à piéton. Celui qui était à pied est arrivé avant celui qui était sur une char, parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que cette année soit une année de vitesse, où Dieu te donnera la vitesse sur tout ce que tu fais et il te placera dans la première position. Mais bien-aimé, si tu veux être un homme ou une femme de victoire, il y a des secrets. Fais de cette année une année du règne de Dieu. Fais de cette année une année de la volonté de Dieu. Bien-aimé, tout celui qui vit sous le règne de Dieu, qui vit sous la volonté de Dieu, il est intouchable. Le diable ne peut jamais le toucher. Bien-aimé, voilà pourquoi Job, avant que le diable ne le touche, il est allé demander la permission à Dieu. Parce que Job était caché dans la volonté de Dieu. Celui qui est caché dans la volonté de Dieu est invisible, est intouchable. Est intouchable. Bien-aimé, le diable voulait cribler prière comme le froment. Mais Dieu a dit, je vis cela. Et j'ai prié et il a stoppé cela. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui vit dans la volonté de Dieu, il est toujours en avance. Celui qui vit dans la volonté de Dieu, il est toujours en avance. Voilà le message que je voulais t'apporter ce soir, là où tu es. Je te demanderai sainement que tu fermes les yeux avant que je ne puisse finir ce temps. Je demanderai, bien-aimé dans le Seigneur, aux musiciens de prendre place. Pendant que nous voulons finir, je vais inviter les choristes de prendre place. Pendant que nous voulons finir ces temps de prière, j'aimerais que je puisse prier avec toi les quelques minutes qui nous restent avant que nous puissions entrer en cette nouvelle année 2021. J'ai voulu qu'on puisse entrer cette année dans la gloire, qu'on puisse entrer cette année dans la victoire comme Israël. Bien aimé, la Bible dit, Israël a dit, c'était comme un rêve lorsque nous étions
Il est en train de nous faire sortir de Sion. On a vu notre libération comme un rêve. Bien-aimé, tu rentreras dans ta destinée. Ça va être comme un rêve. Que 2021 annonce de nouvelles choses. Que 2021 soit une année de puissance, soit une année de gloire. J'aimerais te bénir. J'aimerais prier avec toi avant la fin de cette année. Bien-aimé, là où tu es, je te demanderai tout simplement de te mettre à genoux. Je te demanderai tout simplement avec ta famille de te mettre à genoux. Bien-aimé, parce que c'est une année du règne de Dieu. Là où Dieu règne, bien-aimé, au ciel. La Bible nous dit tout genou fléchi devant le règne de Dieu. Nous voulons installer le règne de Dieu dans nos vies, dans nos maisons. Voilà pourquoi nous nous prosternons devant la majesté de Dieu. Voilà devant le règne de Dieu. Voilà pourquoi je te demande simplement, bien-aimé, en symbole d'humiliation, en symbole de soumission par rapport à la volonté de Dieu. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà pourquoi en signe d'humilité, nous voulons nous prosterner devant le trône des grâces. Il y a un trône devant qui nous nous tenons. Laissez-moi prier avec toi, toi qui es à genoux, avec ta famille. Papa, prends ta main, prends ton épouse, prends tes enfants. Soyez à genoux devant l'Éternel de gloire. Là où tu es, mets-toi à genoux. Bien-aimé, nous voulons inviter le règne de Dieu. Au ciel, il n'y a que quelqu'un qui est assis sur le trône. Dans l'île de Patmos, il a dit à Jean, « Jean, monte ici. » Lorsque les yeux de Jean s'étaient ouverts, la Bible dit, « Jean avait vu le trône. » Et sur le trône, quelqu'un était assis. Bien-aimé, celui qui reste assis, c'est celui qui est sur le trône. Alléluia. À nous, nous devons nous prosterner devant celui qui est assis sur le trône. Bien-aimé, j'aimerais sainement inviter le règne et la volonté de Dieu dans cette nouvelle année. Alléluia. Jésus, tu vas prier avec moi. Seigneur de gloire, Papa, en ces jours de fin d'année, j'invite dans ma vie, dans mon cœur, Alléluia, le règne de Dieu. Comme dans la prière de notre Père, tu nous avais demandé que lorsque nous prions, nous puissions inviter le règne de Dieu. Seigneur, j'invite le règne de Dieu ce soir dans la maison de mon frère, dans la maison de ma sœur. Seigneur, laisse que cet homme, laisse que cette femme, tout au long de 2021, qu'il demeure sous le règne de Dieu. Que tout au long de cette année, que sa maison, ses affaires, ses enfants, son mariage soient sous le règne de Dieu. Je invite le règne de Dieu maintenant dans sa vie. Que Jésus-Christ soit réellement Seigneur dans ta maison, dans ta vie. Je terminerai par inviter la volonté de Dieu. Que durant toute cette année 2021, c'est une année où tu marcheras sous la volonté Alléluia. De Dieu. Où la volonté de Dieu contrôlera ta vie. Où la volonté de Dieu sera ton pain quotidien. Où la volonté de Dieu sera la robe que tu porteras tout au long de cette année. J'arrête toute volonté des hommes dans ta vie. Toute volonté des sorciers, de monde de ténèbres, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, Papa, dans ta volonté, tu n'avais pas prévu les larmes. Seigneur, j'arrête. Tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu s'arrête maintenant au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vis dans le règne, vis dans la volonté de Dieu. Amen. Tu vivras la volonté de Dieu. Amen. Tu témoigneras de la volonté de Dieu. Tu toucheras la volonté de Dieu. Tes yeux célébreront la volonté de Dieu. Je prie ce soir que Dieu puisse mettre un chant nouveau dans tes lèvres. Tu entreras dans cette nouvelle année avec un chant nouveau. Dans la louange et dans l'adoration. Voilà pourquoi avec la chorale, nous voulons entrer dans cette nouvelle année. Pendant ces quelques minutes qui nous restent, nous voulons entrer avec un chant nouveau. Nous voulons entrer avec l'adoration. Alléluia. Nous voulons entrer en célébrant l'Éternel. Alléluia. Parce que notre avenir est assuré. Je laisse la place à la chorale. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres. Et il est mort.
ça c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimée, dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le